Du rêve à la réalité, l'événement qui va changer votre vie. Rejoignez-nous du 18 au 20 janvier 2024 sur Zoom pour une expérience inoubliable dès 20h. Entrée libre et gratuite. Des personnalités inspirantes seront présentes pour vous guider vers le succès. Steve Fa, le blogueur camerounais maître des réseaux sociaux. Kofi Olomide, la légende de la musique africaine reconnue dans le monde entier. Awilo Longomba, le musicien congolais maître de l'animation et de la créativité. Solange Kiki Beyala, animatrice TV appréciée. Master coach Raphaël Giné, entrepreneur à succès, offrant mentorat, coaching et formation en leadership. Junior Omombo, Madame Bouba Dobekréo et bien d'autres invités extraordinaires qui partageront leurs expériences uniques. Rejoignez-nous pour 3 jours de transformation et d'opportunités incroyables. Inscrivez-vous maintenant et réalisez vos rêves, parce que le futur commence ici. Soyez prêts à passer du rêve à la réalité. Comme lui-même l'a dit dans les enseignements, rêver c'est gratuit. Et une fois qu'on a déclenché le processus pour accomplir le rêve, il n'est plus gratuit. Beaucoup de personnes ont des rêves, beaucoup sont découragés dans leurs rêves par les autres à cause de l'environnement. Beaucoup sont découragés aussi à cause des douleurs du passé. Beaucoup sont découragés dans leurs rêves parce qu'ils ne rêvent pas assez grand, parce que leurs rêves sont, ils veulent être average dans leurs rêves. Comment est-ce qu'on peut construire une équipe? Parce que John C. Maxwell lui-même, il a dit, le chiffre 1 est très petit pour pouvoir accomplir un rêve. Et dans ses enseignements, nous avons aussi appris que si ton rêve ne sert que toi, c'est qu'il n'est pas un rêve. Comment est-ce qu'on peut construire une équipe qui va nous accompagner dans l'accomplissement du rêve? Quelles sont les personnes que nous devions avoir, les types de, enfin, le profil des personnes que nous devions avoir dans l'équipe pour accomplir le rêve? Merci, Coach Guy. Déjà, pour accomplir un rêve, il faut chercher. J'aime beaucoup l'illustration de quand la mère du Seigneur Jésus-Christ a posé la question à l'ange. Quand on lui a annoncé qu'elle était enceinte, elle a dit que, mais comment ça va se passer? L'ange n'a pas répondu. L'ange n'a pas répondu à la mère du Seigneur Jésus-Christ, mais il lui a dit qu'Élisabeth aussi était enceinte. Que va voir Élisabeth? Quand Marie allait voir l'enfant sursauter dans le ventre de Marie, quand l'enfant a ressenti, Jean-Baptiste a sursauté. Vous, quand vous avez un rêve, premièrement, vous devez chercher les gens qui portent ce que vous portez aussi. Ce n'est pas tout le monde, tous ne sont pas faits, qu'on le veuille ou pas. Tout le monde ne doit pas avoir et réaliser un rêve. Non. C'est pourquoi on a dit que 50% de personnes même. D'abord, il y a même, je crois John nous a dit que c'était combien de, quel pourcentage là, qui n'ont même pas de rêve, qui ne veulent même pas rêver. Ils n'ont pas de problème avec ça. C'est pourquoi on n'a pas tout le monde entier, les 8 milliards de personnes presque qui sont sur la Terre, qui sont dans cette salle maintenant. Certains gens s'en foutent. Mais non, quand vous avez un rêve, premièrement, le rêve, c'est comme votre bébé. Vous devez protéger le bébé. Il y a même certaines choses. Moi, je ne demande pas les conseils de mon rêve à n'importe qui. Parce que je ne peux pas aller demander à ma maman, quand j'ai une tumeur dans la tête, que « Maman, pardon, dis-moi là où il y a la tumeur » ou bien « Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut que je fasse ma tête moi-même pour le faire ?» Elle n'est pas capable de m'aider. Il me faut aller chercher un médecin, quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine. C'est pourquoi mes mentors, mon mentor qui m'aide pour la construction de mes rêves, ce ne sont pas mes camarades qui ne rêvent pas. Je m'en vais voir John, je m'en vais voir Tony Robbins, je l'écoute, je vois, j'observe la vie de quelqu'un comme le président Tshisekedi. Je lis sa biographie. Je vois comment il a enduré depuis son père jusqu'à lui. Ça m'enseigne. Donc, il faut chercher des gens aussi qui rêvent. Il faut chercher des gens qui rêvent. Donc, il faut trouver l'équipe avec des gens qui peuvent comprendre où on va.
Ouais. Donc, et aussi mettre un processus sur pied pour faire avancer ceux qui vont avec vous, comme vous-même. Ouais. Parce que vous, quand vous avez un rêve, il faut commencer à grandir vite. Sinon, à un niveau, le rêve peut être upside down. Si vous ne grandissez pas, l'équipe grandit. Vous ne pourrez plus diriger les gens dont ils sont plus grands ou ils comprennent mieux que vous. Donc, c'est pourquoi la croissance, tout rentre sur la croissance. Donc, il faut travailler l'équipe, il faut sélectionner l'équipe. Il ne faut pas amener n'importe qui parce qu'ils vont vous perdre le temps. Ça, c'est d'un. De deux, il faut un processus de croissance sur pied. Parce que c'est le processus de croissance ça, qui doit même vous aider à éliminer les mauvaises personnes. Parce qu'il y a des gens qui parlent très bien, mais qui ne peuvent rien démontrer. Et de trois, il faut que ceux qui viennent là, quand vous les avez qualifiés, ils sont dans le processus de croissance. Que le rêve que vous avez les profite autant que ça vous profite aussi. C'est capital. Sinon, ils ne vont pas abandonner parce qu'ils vous détestent, mais ils vont abandonner parce qu'ils ne peuvent plus. Une voiture, qui a déjà vu une voiture qu'on a mis le carburant une fois, on a conduit le reste de la vie et la voiture roule toujours. À un moment, la voiture s'arrête. Tu pousses même, ça ne bouge plus. Ça va juste à un niveau. Tu pousses, ça ne donne plus. Donc, il faut le câble. Il faut que le rêve nourrit tout le monde. C'est pourquoi le rêve à un niveau doit nourrir. C'est pourquoi il faut que le rêve soit grand et que ça donne à manger à tout le monde. Sinon, même ta maman va quitter ton rêve parce que le carburant, la voiture n'a plus le carburant. Donc, pour moi, ça fait partie des critères, quoi. Merci, Coach Guy.